Bonjour à toutes et à tous, c'est le Signe Noir, on est en live sur la chaîne de 119 minutes pour découvrir ensemble Those Who Remain, un jeu plutôt à tendance horrifique qui nous est offert par notre partenaire GOG, que je remercie ici une nouvelle fois pour la clé. Donc c'est un jeu, un genre avec lequel je suis assez peu familier, mais je trouvais vachement intéressant l'idée de pouvoir le tester en live avec vous. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On voit déjà ici un peu à gauche ce qui nous attend. Ça a l'air un petit peu dégueulasse. Et bonjour Ardarine, bienvenue sur le live. Alors je garantis pas d'avoir le nez sur le chat pendant ce live, ça dépendra un peu du type de jeu. Peut-être aussi qu'on va s'arrêter dans 20 minutes parce que ce sera trop flippant, je ne sais pas. J'ai absolument pas testé, j'ai fait les petits réglages. Donc on est parti, on va lancer une nouvelle partie. Alors le jeu est en français, ce qui est un bon point. J'ai vu qu'il y avait quelques traductions qui pouvaient être un peu approximatives, par exemple si on regarde tout ce qui est on-off est traduit en allumé, éteint, etc. Donc c'est un petit peu bizarre, on verra si c'est une traduction un peu trop littérale, on passera en français. Mais on va découvrir ça ensemble. Edward devrait faire des choix difficiles pendant son aventure, ce qu'il décide impactera la fin de l'aventure et sa propre destinée. Très bien. You never know how lucky you are when you have a perfect life. Everything seems to be taken for granted. Losing something makes you realize how lucky you are. Then everything starts falling apart. Eventually, your past life feels like a distant dream. A movie you saw a long time ago. You become someone that you don't recognize. What's the point? I keep hurting everyone that loves me. The moment my wife needed me the most. Maybe it's time to end this. Très bien, donc le mec allait se suicider dès le début de la première minute du jeu et on reçoit un texto qui nous dit viens nous retrouver à l'hôtel. Parfait. Andrea doesn't deserve this. She's still my wife. I'm gonna break up with Diane. It's happening tonight. Un bon vieux motel miteux américain. Bien dans le style. Ça commence par un apéro, ouais. C'est vrai que le début était mettait l'ambiance. Et salut Gaara, bienvenue sur le live. Alors, ZQSD, parfait, c'est en AZERTY, c'est nickel. Alors. Est-ce qu'on peut courir? On peut courir, parfait. Alors, est-ce qu'il faut qu'on aille à action? Jeter, parfait, on va pouvoir jeter des valises sur les zombies. J'ai entendu un bruit. Oh, y a même la musique country, t'en seras dans Supernatural, franchement. On va fermer la porte. Des mignons petits chatons. Très très bien. Apparemment, je peux pas fouiller les objets, je peux juste les prendre et les déplacer. Bon, les gens ne sont pas là, on va comme un gros sac lire le registre. Alors, Dana, chambre 2. Très bien, chambre 2 donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un téléphone. Je peux baisser le son si tu le souhaites, Slan, pour éviter ce genre de problème.
C'est vrai que j'avais pas du tout pensé. Well, that was shocking service. D'ailleurs, si le son est trop fort, dites-moi, hein, je le baisse un peu. Chambre 2. Est-ce qu'on peut ouvrir une autre chambre? Ok, c'est fermé. Laisse-nous l'ambiance. Et bienvenue The Only Do, bienvenue sur le live. Bah, c'est la chambre 2. Zut, il y a peut-être une clé à prendre. On peut taper à la fenêtre. Allô Dana? Je suis pas gouré, c'est bien la chambre 2 parce que je suis concentré sur le chat en même temps, alors j'ai peut-être loupé un truc. Hein. Dana, room 2. Ouais, ça a l'air pas mal pourtant. Il n'y a pas un tableau avec les clés. Ah, on peut ouvrir cette porte. Parfait. Il fait totalement nuit. Un objet peut être inspecté. Je peux monter un peu plus le son, hein, s'il y a besoin, vous me dites. Est-ce que ça casse si je la jette? Non. Alors je vois pas ce que je peux inspecter pour l'instant. Ah, parfait. Eddie, j'ai essayé de t'appeler mais il n'y a pas de réseau, tu arriveras ici dans quelques heures probablement, je vais dormir un peu, la clé est sous le paillasson, j'ai hâte que tu sois là, oh je suis dans la chambre de Diane. Alors notre visiblement maîtresse laisse des messages dans l'arrière-boutique, dans les tiroirs de l'arrière-boutique. Parfait. Alors le paillasson. Paillasson de la chambre 2. Paillasson de la chambre 2. Ah, j'ai essayé d'allumer la télé, mais je pouvais pas malheureusement. On va fermer la porte, hein. On va se la jouer sécurisée. Diane, where are you? Un vieux Chaplin. Bibi. J'ai monté le son parce que, effectivement, là il y a un bruit derrière. Et je pense que c'est important que vous l'entendiez. Visiblement, quelqu'un prend sa douche. Non, absolument pas. Ah ! Je suis déjà en flip, quoi. La porte s'est pas ouverte, c'est bon. Où est-ce foutu téléphone ? Nickel ! Nickel! Des disparitions pendant la nuit. Michael Ridley, le quatrième dossier de disparition étrange. Comme le dossier précédent, les vêtements de Monsieur Ridley ont été retrouvés couverts de sang. Le shérif Matthew demande à tous les habitants de Dormont de rester chez eux après la nuit tombée. Qu'est-ce que c'est que ce bled de merde? Ah ah! Venez, zombie. J'ai une poubelle. On peut pas refermer la porte? Non, on peut que la rouvrir. Hein. J'ai raté le couloir du bas, le tiroir du bas. Hop là. Ah putain, la TV s'est éteinte, t'as raison. Ah mais c'est quoi, c'est un visage? Ah putain, le drame. On s'enferme dans les toilettes, je peux pas fermer la porte des toilettes. Ah mais oui, on dirait trop un visage quoi. Ah mon dieu. Bon, au moins, il y a de la lumière. Ils nous ont dit de rester dans la lumière, on va rester dans la lumière, hein. On va pas faire les cons. On peut pas éteindre cette foutue douche. Alors il se peut que je crie, hein, je vous préviens. Enfin que je crie, que je réagisse verbalement. Alors visiblement, il n'y a rien d'autre. J'ai pas été voir de l'autre côté. Donc ça a pas changé, donc déjà c'est bien. Notre petite amie a été bouffée par des zombies. Ah, il y a peut-être un tiroir de l'autre côté. Hein. Non. No tone.
Ah putain, si on est censé éteindre la lumière, je vous préviens, ça va pas le faire. Personne qui est apparu dans le noir, parfait. Il y avait bien deux verres de prévu. Je vais mettre une chaise devant la porte. Elle est tombée. Ah non, la poubelle a empêché ma chaise de tomber. Bon, la poubelle, ça sera l'arme de défense, on va la poser là. J'y crois pas du tout. Putain, mais c'est hyper flippant, sans déconner. Bah, il va falloir qu'on éteigne, hein. Ça me fait un peu chier, mais... Non, ouais, on va faire une heure de live dans la pièce, là, je pense. C'est que ce truc, là-bas. C'est rien, ok, très bien. C'est la clim. C'est ça, ouais, c'est la clim. Vous pensez qu'il faut sortir de la pièce ? Moi, je pense que je vais passer une heure ici, hein. Ah putain! Come back. Suivre la voiture, sérieux? Non mais. T'espères quoi? La rattraper à la main? M'a tiré ma caisse quoi! Diane's not here. This place is empty. Se rendre à Dormant, à pied. Appuyez sur I pour vérifier les objectifs. Ah zut, ça marche pas. C'est pas I. Contrôle. Clavier. Objectif I. I. Oui, c'est bien, c'est important. Ah, ça fait peut-être juste afficher en haut l'objectif. Ok. C'est une... Attention derrière toi. Ah putain! Quoi? Le spot va s'éteindre, mais non, mais fais pas ça. Ah sa mère, les ampoules qui se pètent. Je peux plus courir. Je peux plus courir. Non. Moi je veux bien me rendre à Dormant, mais Oh putain. Pas sauter? Non. C'est nickel. J'aime ce jeu. Je sens que je vais adorer ce jeu. Ouais, c'était ça. Il fallait allumer le générateur. Parfait. Moi je vous le dis, la France a quand même du mérite, c'est... Ah putain. C'est quand même vachement moins flippant les paysages. Il y a un connard qui a planté notre caisse. Qu'est-ce qui est arrivé au conducteur? Il n'y avait pas de conducteur, moi je te dis. Bon, est-ce qu'on se fait une petite course dans les champs de blé, dans les champs de maïs? Hein? Moi ça me paraît une bonne idée, hein. Elle est où ma... Elle est où mon arbalète de Dying Light là? Il y a de la lumière par là. There's a house. Maybe they can help me get to Dormant. T'es sérieux? En plus il y a des corbeaux. C'est parfait. Oh putain, sans déconner. La porte qui se ferme derrière nous. Grand classique. Pourquoi je peux pas activer cet interrupteur? Je peux activer cet interrupteur. C'est parfait. Go, ça craint rien complètement. J'y crois à fond. Et je leur pardonnerai leur méchanceté et oublierai leur péché. Hébreux 8:12. Est-ce qu'il faut que je note ça quelque part? Un carnet, vite.
Ah merde, j'ai cliqué à côté de l'écran, pardon. Bah, je sais pas qui sont ces gens, les gens qui habitent dans la maison, qu'est-ce que je te dise, moi. T'es con, quoi. J'ai plus de poubelle, ouais. Je peux même plus ramasser de trucs. J'ai demandé un carnet à Chobiti. Chobiti, tu pourras me stopper un carnet, s'il te plaît. On va noter Hébreu 8-12, même si je crois pas trop que ce soit très utile. Ah, j'ai une bouteille. Merde. Raté. Ouais, y a des yeux, ouais. Et l'interrupteur, il est derrière les yeux, c'est ça qui m'emmerde, en fait. Ah, y'a un interrupteur là. Tiens, une casserole dans ta tronche. Alors, je note Hébreu 8-12. Parce que j'ai aucune éducation catéchiste, alors je ne connais absolument pas la Bible ni aucun verset, je précise. Ben, j'ai voulu leur servir l'apéro, mais ils étaient pas fans de l'idée apparemment. Tiens, les cornichons dans la baie vitrée. J'aime bien le jeu où tu te sens, mais alors impuissant, totalement impuissant quoi. Les seuls trucs que tu peux prendre, ils servent à rien. Genre là, il y a un petit balai là, ou un couteau quoi, mais non, je peux ramasser une casserole. On se croirait dans Project Zomboid, mais en pire quoi. Oh là là, ils sont horribles en plus, sans déconner. Je sens que ça va être un plaisir de faire ce jeu avec vous. Ah la vache. Un accident tragique. Le corps d'une jeune fille de 13 ans a été retrouvé près de la Syrie. La victime aurait chuté du sentier qu'empruntent les vélos. Les autorités disent qu'il s'agit d'un accident et aucune autre enquête n'est en cours. Alors est-ce que ce serait l'esprit vengeur de la gamine qui se serait fait renverser par une voiture sur le sentier vélo? Ou par un vélo d'ailleurs. Ouais, la petite musique dans le dos là, on est vraiment bien quoi. Je peux ouvrir cette porte. Il a des trucs dans la main, il a un couteau dans la main lui. Je te vois. Tu le lèves en plus. Putain, c'est une machette le truc quoi. She won't take me. Nickel. Bah écoute, ça a l'air d'être un échec, je suis désolé de te le dire. On va explorer la maison avant d'aller faire le con dehors, hein. Ah putain, ils sont partout. Y'a pas d'interrupteur ici. Et c'est flippant parce que... Si j'allume ça... Ouais non, c'est pas une bonne idée, hein. On est d'accord. Mais y'a pas d'interrupteur ici. Coucou. Cette porte est condamnée, elle ne s'ouvre pas. Parfait. Ah putain. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc si je m'approche, il me chope. Donc on va pas monter en fait. Donc vous êtes sérieux, l'option c'est de sortir dehors. Alors là bizarrement... Ah si, y a un interrupteur là, parfait. Ok, c'est des chiottes. Qu'est-ce que c'est pour? Tellement de pilules sur le sink. Did someone overdose on them? Est-ce que quelqu'un a fait une overdose? Je pense que c'est toi qui fais une overdose en fait. Réellement. Ah, on ouvre. Mais oui, mais voilà, mais quelle bonne idée. Je peux allumer dehors. Il pleut. Donc, je pense que tant qu'on reste dans la lumière, il n'y a pas de risque. Ah ouais, ouais, t'as eu un petit coup de flip là, j'ai bien vu. Ah, y'a un tracteur. Non, sérieux? Quelqu'un a... Quelqu'un a tabassé la porte, quoi. Ah putain. Automatic doors. No keyhole. Oh la vache. C'est horrible. Bah, je pouvais pas prendre les médocs, malheureusement. Mais ouais, j'aimais assez l'idée de prendre les médocs. Tu peux utiliser ce sympathique tracteur? J'ai pas l'impression, hein. Ah, ici il y a un truc. Parfait, j'ai allumé la grange.
Il y a un petit camion qui m'a l'air de bonne aloi. Ah putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, les petits coups de flip des cinématiques qui te stoppent sur place. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui m'avait chopé dans la petite zone d'ombre, quoi. Ça m'a l'air d'être un générateur, ça. Oh, il y a même le bruit de la flotte, sérieusement. Quoi, faut que je retourne dans la maison, t'es sérieux? C'est stressant de pas pouvoir sauter aussi. Bah, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais je trouve l'ambiance vachement réussie, personnellement. Coucou! Alors, déjà les maisons, les lumières dans la maison se sont pas éteintes, c'est la bonne nouvelle. Donc on cherche un fusible. Fuse must be in there. Where's that key? Parfait. Clé dans le bureau, non? Visiblement non. Alors cette maison, je tiens à le dire, n'était absolument pas glauque, même à l'époque où il n'y avait pas de zombies dehors. Hein. Je peux pas refermer la baie vitrée, c'est nickel. Est-ce que je peux tabasser la porte avec une poêle? Non. No tone. Ah, le feng shui de la grange, c'est pas trop ça, ouais. Fri du jeu. Alors ça, c'est quoi, ça? Jummy, non, je ne sais pas. Non, on ne va pas éteindre la lumière, non, non, on ne va certainement pas faire ça. On fouille, hein. Est-ce que vous pensez qu'il aurait mis la clé sous le paillasson? Est-ce qu'il y avait un paillasson devant la porte? Non. Sous le tapis, peut-être? Est-ce qu'on peut tabasser ça avec un pot de cornichon? Non. Sérieux, s'ils nous ont foutu la clé dans une chambre, je crie. Et je peux pas me baisser non plus. Ça n'a pas changé. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petits effets de casse avec les objets, ça déstresserait un peu de péter 2-3 bouteilles. Y'a rien là-dessous. Y'a rien là-dessous. Où est-ce qu'elle peut bien être cette clé? Dites-moi dans le chat, où est-ce que vous planqueriez la clé si vous étiez un zombie cinglé? Dans les toilettes? Dans les toilettes, tu penses? Est-ce que ce truc s'ouvre? Non. Ça a pas l'air d'être dans le tube de dentifrice. Est-ce que j'éteins? Non, j'éteins pas. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce truc-là, on peut pas le relire, alors que les autres, on pouvait les relire. Qu'est-ce que ça signifie quelque chose? Je ne sais pas. Ah bon, c'est la date. 1968, ok. Ah, j'ai regardé un peu. Alors c'est vrai que j'ai pas essayé les... Ah, les placards, on peut les ouvrir, bien vu. Alors la chaise, on va dégager. Voilà, hop, barre-toi. On va faire ça méthodiquement. J'aimerais bien ramasser ce petit couteau, mais ils m'ont l'air un peu immatériel, cela dit, hein, donc je suis pas sûr que je puisse faire grand chose avec un couteau. Bon, visiblement non. Ça, je vais soulever les trucs, des fois que ce soit caché en dessous, non. Non, je sens bien qu'ils l'ont mis d'une manière ou d'une autre en haut. Mais je vois pas... Alors, ce qu'on pourrait tenter... Ah mais d'accord, mais la porte a carrément disparu en fait. Maintenant, il y a un tableau que je qualifierais de particulier, mais il n'y a plus de porte. J'aime ce genre de truc où tout se transforme au fur et à mesure que tu avances, c'est toujours un plaisir, quoi. Je suis même pas sûr du coup que cette porte était là la première fois que je suis passé.
Alors si j'éteins ça, ouais ça éteint là, on est d'accord. Je me demandais si ça allumait pas en haut. Ça on a dit ça allume là. Est-ce que cette porte se serait ouverte? Non. Et là quand j'ai essayé d'avancer tout à l'heure, c'était la merde. Ouais non, ça part en couille si je m'avance. Ah le petit rire creepy en arrière-plan, je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas planqué sur ce petit bout de truc là. Ah, ils réapparaissent direct, hein. Normal. Alors peut-être que la clé est dans la grange. Ça serait franchement pas cool de l'avoir foutu là-bas. Est-ce que j'ai ouvert ça? Non, j'ai pas ouvert ça. Ça s'ouvre pas. Merde, ils ont foutu où cette clé? Non, ça doit pas être un truc de fifou pourtant. Dans les pots au-dessus? Non. Dans le four non plus. Je peux pas l'ouvrir. Ce serait pas cool de l'avoir mis là-bas, donc on sait où c'est. Bah ouais, du coup je vais m'armer d'une assiette et on va retourner à la grange. Hein. Mais où est-ce qu'ils ont pu la foutre, sérieux? Peut-être derrière, dessous le paillasson là, non? J'ai lâché mon arme. Grave erreur. Elle a disparu, ils ont pris mon assiette. Non, elle est là. C'est pareil, ça aurait été cool, il y a peut-être des bagnoles dans ce garage là, mais... Ah ah! Venez affronter mon assiette. Je vais pas courir quand j'ai une assiette après, c'est le problème quoi. Oh, c'est une assiette, c'est pas un plat à tarte, franchement. Je suis d'accord, hein, j'aurais préféré même le balai quoi, mais j'avais pas de balai. Bon, je pose l'assiette. Hein, attention. Ah putain, elle était là quoi. Non, ça c'est la clé du... Bah si, ça doit être le garage, l'autre, la clé du garage. Donc il l'avait bien foutu dans la grange. Les fumiers quoi. Bon, je suis pas convaincu de l'efficacité de mon assiette. Hein. Je vais peut-être la bazarder parce que je me traîne quand même. Hein. Ah ah! J'ai pas l'impression qu'on a de l'endurance, ça c'est la bonne nouvelle. Parfait. Interrupteur, interrupteur. Ah, il y a pas de voiture, putain. Il y a une machine à laver. Et il y a une grosse clé, clé là. On peut pas la prendre, la bonne grosse clé anglaise là. Ah non, ils sont pas bons en frisbee, ils préfèrent tenir des couteaux flippants. Ah, ils avaient caché le fusible là-dessous. Il y a un bruit. J'ai entendu un bruit. On va faire style, on ferme la porte. Hein. Voilà. Et puis on va fouiller un petit peu. Donc on a quoi? Un conteneur de poubelle, de l'essence. Est-ce qu'on peut ouvrir ces portes de garage? Ça m'éviterait de faire tout le tour. J'ai pas l'impression. On a des bottes. Un marteau! Un marteau! Non. Bon, en vrai, les trucs qui sont importants ont l'air de vraiment beaucoup beaucoup clignoter, donc je pense pas que ce soit... On va quand même jeter un oeil au tiroir vite fait. Ça sert à rien de courir. Pas d'endurance parce que ça sert à rien de courir, et c'est possible. C'est vrai que j'avais pas l'impression qu'ils étaient très portés sur la course-poursuite, hein. La téléportation a l'air d'être plus adéquate. Bon bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre dans ce garage, enfin il y a des trucs mais on peut pas les prendre. Alors est-ce que la lumière s'est éteinte? Non, c'est bon. Tout va bien. Nous avons un fusible. Mes doigts ne tremblent pas du tout sur le clavier, tout va bien. Je ne vous regarderai pas les gens. Alors est-ce qu'on va foutre le feu à la grange? Ça fonctionne, mais encore. Ah oui, d'accord, ça déconne pas. Et donc on est obligé d'y aller à pied quand même. Dans le champ. Ah mais c'est des tournesols, c'est même pas du maïs.
Ok, chargement. Where am I? How did I get here? J'avoue. Andrea, this was taken the day we met. We got married 2 years later. Et bah, t'aurais mieux fait de rester avec Andrea, tiens, parce que visiblement, elle t'a fait un coup foireux, ta maîtresse. Tu peux toujours courir, parfait. Tant qu'on peut courir, tout va bien. Nickel, des gens pendus. Je suis assez d'accord avec toi. Oh, la petite musique. Bien bien sympa aussi. Je sens que je vais me retourner, ils vont avoir disparu. J'ai pas envie de me retourner en fait. Est-ce que je peux continuer de jouer en gardant le gardant dans mon angle de vue? Je ne suis pas sûr. Alors ça c'est quoi? C'est un mec pendu en arrière qui la tête en bas qui brûle. Mieux qu'un pendu, un pendu qui brûle, ouais, exactement. Pose-moi ce cadre, j'ai entendu crier. Oh la 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 la. Je suis content, l'expérience est tout aussi sympathique que ce que j'avais espéré. Bon, pour l'instant il y a de la lumière. Toi ça te ferait pas du tout flipper de te retrouver tes photos de famille au milieu de pendus dans la forêt? Bah écoute, je dirais que t'as le cœur plus accroché que le futur ex-mari d'Andrea. Mais d'où elle vient? Mais c'est la lune, bien évidemment. Quand même, saute aux yeux. C'est le moment où j'aimerais bien pouvoir me mettre accroupi. Ah putain. Il y a des voix flippantes maintenant. Une porte! Ah non! Elle est fermée à clé. Les salauds. Ça va, il y a encore des gens sur le chat, tout le monde s'est pas enfui. Maintenant il y a du violon. Nickel, lui il est pendu par une jambe, parfait. C'est bon, c'est safe, on peut prendre le lapin. Rocky. This was Rosie's bunny. Ah putain. Le lapin est piégé, mais trop. C'était exactement ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Sérieusement. Je suis sous le bureau, je pleure en tremblant de peur. Bah écoute, je peux pas aller sous le bureau, sinon le live s'arrêterait, mais... Mais j'ai fait le tour en plus, là. Alors est-ce qu'il y a un truc qui s'est libéré à côté, en dessous du lapin, peut-être? Non. Je suis sûr que ça a ouvert un autre chemin là où il y avait pas de chemin. Oh les bruits, putain. La bande son est top. Ça a ouvert la porte, ouais, effectivement. Quand vous êtes en enfer, seul le diable peut vous venir en aide. Putain, les mecs sur le bord de la route, quoi. Alors du coup je sais absolument pas comment on est arrivé là. Mais on va avancer puisqu'on nous invite si gentiment à avancer. Dormont is just a couple of miles down the road. Oh la vache. On est retourné au motel? Ah non, c'est une station service. Oh putain, y'en a partout, quoi.
Vas-y, les petits bruits de pas là. Non, t'éteins pas. T'éteins pas surtout. Cette porte est condamnée, bah tu m'étonnes. Visiblement, eux. Ils ont senti arriver l'arnaque, mais ça les a pas sauvés apparemment. Alors j'ai l'impression que vu le design, on est bien dans les années 68. Hein. I can't get to the door handle. Feels like something is wrapped around the car. Quoi? I can't get to the door handle. Feels like something is wrapped around the car. Putain, ils sont horribles quoi. Ah, il a une fourche lui. Oh la vache, le design des mobs, ils sont tellement bons. 3 km dans ces conditions, mais on est bien. Moi je dis, ça passe. Alors je voudrais pas dire, mais Chobiti elle est morte de rire. Bah en fait j'ai l'impression qu'on peut rien faire avec cette station service là. Enfin, ça me paraît une idée de merde, il y a une chaise là qui... C'est trop lourd, alors est-ce que je peux trouver un truc qui ferait levier peut-être? Parce que c'est vrai que si jamais j'enlève ça, la lumière va passer, ils vont pouvoir se... ils vont se barrer. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui ferait levier? Une caisse? Je suis pas convaincu hein. Je sais pas du tout quelles sont les possibilités du jeu. Ah, il y a une porte là-bas. On va aller voir là-bas peut-être. Ce qui est génial, c'est que je suis incapable de... Ah, une clé. Je suis incapable de savoir si ce truc-là était là et que je l'avais loupé, alors qu'il est hyper lumineux, ou s'il est apparu brutalement, genre quand j'ai trouvé que c'était trop lourd. Bon, on verra dans le replay. Tout à fait normal cette entrée de maison encore. What the fuck? D'accord, donc les trucs flottent et en plus ils ne pèsent rien. Alors je vais peut-être pouvoir bouger le truc. Haha! Ça va être un gameplay fun. Une caisse pour faire levier, mais bien sûr une caisse en carton pour faire levier. Qu'est-ce que tu crois? Totalement logique, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pompe à pesticides. T'avais besoin d'une pompe à insecticides, tu te fous de ma gueule. Exactement ce que j'avais besoin. Oui, bien sûr, totalement. Ah ouais, d'accord, on commence à avoir des aperçus du gameplay. Intéressant. Et donc maintenant il n'y a plus de lierre. T'es sérieux? Merde. Faut que j'y retourne. J'ai raté un truc. J'ai trouvé une clé. Est-ce que la clé me permettrait pas d'ouvrir la porte qui est là? Je pense pas, mais on va tester vite fait quand même. Ah. Nickel. Ça a déclenché une musique country. Enfin, même plutôt jazz que country d'ailleurs. Est-ce que je peux pas ouvrir l'arrière? Non. Et ce côté-là? Ah, ce côté-là, je peux. Haha! Mangez des feux! Ça vous apprendra à me faire peur. Bon, ils sont pas partis loin. Hein. Oh putain. Lui, il est juste là. Ok. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose en retournant dans le passé, dans le futur? Non, il y a une grille. Les salauds. Par contre ici, il y a pas de monstre. Ah ouais, en fait, si. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une araignée géante. Avec une tête humaine. Un crâne humain en guise de tête. Ah putain. Tout va très très bien. Tout est normal. Donc ça a ouvert la porte dans cette dimension là aussi. Mais par contre, je peux pas interagir. Et donc, visiblement,
Je peux pas rien faire d'autre. Et la maison qui était ici, elle n'existe plus. Hein. Et je peux pas passer là. Parfait. Allez à Dormand. J'aime les objectifs, sont clairs, précis, efficaces au moins. Ah ! Ah putain ! Pardon. Ils disent qu'on entend ton rire diabolique en arrière-plan. Ok, donc on a des points de sauvegarde, mais on peut quand même se retrouver à bien reculer dans le temps, hein, si on se foire. On va... Donc on est d'accord, il y avait rien là. On est d'accord, donc là j'active ce truc là et bim, ça apparaît. Parfait. On va faire les différents trucs pour cas où, voilà. Prends la clé. Donc si on fait style, on sort de la zone, on se fait bouffer par une araignée géante. Ah oui, effectivement, là on la voit, là elle est là aussi. Ah, attends, il y a Chobiti qui est venu, je vais lui montrer, on la voit mieux celle-là. Regarde. C'est beau, non? Alors, on dégage ça. Hop. Alors je l'ai jeté, mais ça n'a pas été hyper efficace. Et il nous faut le pesticide. Random finding this here. Just what quelle I chance. Need. Let's try this. Merci d'être passé, Zone Lidou. Je sens que je vois bien que rusty. Tu te replies devant l'adversité. Bon, on a ouvert les trucs, on va retourner. Alors du coup, maintenant, on est capable d'allumer ça. Hop. Parfait. Et donc il fallait qu'on trouve un moyen d'amener de la lumière là-dedans. Alors est-ce qu'il y a... Ah mais il y a un interrupteur là, parfait. Des chiottes, nickel, on a accédé à des chiottes. Jason was here. Ah mais il y a une guirlande. Oh oui, on a pu brancher la décoration de Noël. Que demander de plus? Des zombies et des décorations de Noël. Bob, j'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres. Parfait. Merci Bob. Enfin... Ah mais il a une hache lui. Oh, ils sont beaucoup mieux armés que moi. Hein. Hello? Ferme. On va éviter le strike. Ah ben, au moins on va pouvoir fumer jusqu'à la mort. Missing. Alors un mec dernièrement vu sur la route de Dormon. Parfait. Il y a des petits cafards. Est-ce qu'on peut les écraser comme dans Cyanide, dans les jeux Cyanide? Non. Ouais, effectivement, ça grouille un peu, quoi. Ça doit faire un moment qu'il n'y a plus personne. Quand je vais dans le noir, il se passe des choses. Il y a une petite musique flippante. Ça veut sûrement dire quelque chose, hein, je dis pas le contraire. Pour l'instant, ça m'échappe. Il y a un truc qui brille là, non? Non, c'est un effet de reflet. C'est parfait, j'ai l'impression d'avoir avancé. On va regarder dans les tiroirs. Ah, un post-it. Un briquet! Perfect. Oh oui! On va pouvoir faire de la lumière. Comment on l'éteint? On l'éteint pas. On a un briquet! Le truc de fou quoi. Comment on maîtrise notre briquet? Non, c'est pas ça. Et ben on le maîtrise pas, parfait. Alors on a des stabilos, on a une équerre. Est-ce qu'on peut ouvrir les trucs dessous? Non. Bon, je pense qu'il fallait trouver le briquet. C'était quoi ça?
Je t'ai entendu bruit. Il y a toujours le bruit bizarre quand on va ici. Alors Katox serait là, il nous dirait balance balance cette bouteille de propane sur les zombies et puis après on verra. Mais malheureusement je ne peux pas la prendre. Alors je sais pas, il y a un bruit là donc ça a tendance à me faire penser qu'il y a quelque chose à faire mais je vois absolument pas quoi. Est-ce que ça nous sert ce mec? Ah ouais d'accord, en fait les guirlandes ont complètement disparu. Non, elles sont éteintes. Mais j'ai un briquet maintenant. Tu fais moi le malin, hein. Qui c'est qui a débranché mes guirlandes? Putain. Il y a quelque chose qui est capable de marcher dans la lumière qui a débranché ma guirlande. C'est parfait. C'est absolument parfait. Ah, et la maison ici a disparu, mais il y a toujours la boîte aux lettres par contre. Quoi? Oh, hi. I thought you were one of them. Who are you? Are you all right? Possibly, but I don't feel alone. My name is Annika. I'm Edward. Nice to meet you, Annika. Anyone else with you? You need to go. Mother is coming. What? Your mother is here? No time for questions. You need to leave. Okay. Why? I can't just leave you here. Go, Edward. You will see me later. What the fuck? Ok. Eh ben... On y va, hein? 3 km avec un briquet. Barrez-vous! Barrez-vous! Ah ah! Ah ah, j'ai un briquet! Je n'hésiterai pas à m'en servir! Oh putain! Je propose de pas se retourner. T'as fait tomber le briquet, mais t'es con ou quoi? Sérieux? T'as l'impression que c'était le moment de faire tomber ton putain de briquet? Sans déconner. Je sens que vous avez bien ri. Je me suis retourné juste un petit coup d'œil et c'était suffisamment flippant quoi. Hello? Anyone? Damn, no one's here either. Oula, c'était fort ça. Where is everyone? Mais j'avoue, tout le monde a disparu quoi. Everyone must have gone in a hurry. J'évacue les petits frissons en bas du dos. Les disparitions se succèdent. La peur s'intensifie à Darmand au fur et à mesure que les habitants disparaissent. Léodéric, 62 ans, a été aperçu pour la dernière fois quittant le bureau de poste en fin d'après-midi. Les députés du shérif et quelques bénévoles ont fouillé les bois avoisinants mais ils n'ont rien trouvé. Selon une source anonyme, un groupe d'hommes aux yeux étincelants a été aperçu dans les environs à ce moment-là. Selon le shérif Mathieu, la population n'avait pas à s'alarmer, l'histoire de fantômes sont pour les enfants. Mec, t'as chié dans la colle. Oh là là. En tout cas, ils ont bien réussi l'ambiance, hein. On peut pas dire le contraire. On sent bien l'oppression, je trouve. Et bonsoir Lutin, bienvenue sur le live. Viens flipper avec nous, en toute amitié. Je peux même plus prendre les assiettes pour me défendre, c'est fini. T'as perdu ton briquet, non mais franchement quoi. Ah là c'est un mec de août 2017. Alors on est peut-être dans le futur, non dans le futur il n'y avait pas les monstres. 68 ou 2017, c'est peut-être les mecs dans leur... Dans leur baraque qui avait un calendrier obsolète. Hein. Aucune personne non accompagnée de rentrer chez soi après la tombée de la nuit jusqu'à ce que la disparition soit éclaircie. Fermez la porte à clé quand vous fermez le resto et appelez-moi si vous avez besoin que je vous raccompagne en voiture, Karl. On appelle Karl? Ouais, on va appeler Karl. Hein. C'est pas lui Karl. Non, ça c'est Bartov Ragaz. Karl?
Carl. C'était quoi ce bruit? Quelqu'un a fermé la porte. Putain. Pourquoi il y a de la lumière maintenant? Ah non, c'est un reflet du feu. Alors, on monte ou on descend le chat? Qu'est-ce que vous en pensez? On va fermer la porte, comme ça nous la fermerons plus dans le dos. La cave, on a un vote pour la cave. Et on a un vote pour monter, un deuxième vote pour descendre. Pour l'instant c'est descendre qui gagne, on va descendre. Alors là ça manque d'un petit fusil d'assaut là pour pointer dans l'escalier. Cambriolage à la bibliothèque. Un certain nombre de talons et de radars ont été volés hier soir à la bibliothèque de Dormon. Selon les autorités, les cambrioleurs se sont introduits par l'escalier d'accès de secours. Le shérif Matthew a refusé de donner des informations sur de possibles suspects. Ok. Vu d'ici, je vois pas trop l'intérêt de cette information. Oh là là. Putain, c'est le drame quoi. On va monter hein. Est-ce que ça c'est Yana qui sont arrivés là? Non, ok. Je me disais, c'est cette porte avec une fenêtre, c'est bien le coup à te foutre un mec collé à la fenêtre d'un coup. Ah d'accord. I can get a better view of the surroundings from up there. Bonne idée. Pourquoi il y a une alarme qui s'est déclenchée d'un coup? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils se sont rapprochés, non? Ah. You need to get to the library. There has to be someone there. I need to get to the rooftop first. Très bien. La bonne idée, c'est aller à la bibliothèque. Ok, donc on va sans doute se... La revue devait servir à dire qu'il y a un moyen d'accéder à la bibliothèque par derrière. Est-ce que je peux couper le jukebox, sérieux? Non, bordel. On cherche donc un moyen d'ouvrir le truc. Donc on va peut-être retourner à la cave, hein, tant pis. Est-ce que c'était une cave ou est-ce que c'était l'extérieur? C'est la question. Interrupteur là. Ok, parfait. Ah! Putain! Shit! That was close. There's light outside, but something is blocking the window. Ah, il commence à péter les fenêtres. Les connards. Quelque chose bloque la fenêtre de la cave. On va ressortir. Pas de problème. Où est cette foutue fenêtre de cave? J'en reviens pas que l'autre il a perdu son briquet quoi. Tiens. 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 Ok. Do not block this window. Bah voilà, comme ça au moins. On suit les règles nous. Pas comme tous ces pecnos dehors là. Mais oui, c'est parfait. C'est absolument parfait. Tiens, mange ton carton, toi. Alors, on cherche une clé ou un truc approchant. Une clé, parfait. Oh là là, ils ont vraiment bien réussi l'ambiance, je mets un gros plus 1 au jeu. Et là, ils montent pas sur le toit par contre. Non, il y a assez de lumière pour qu'ils montent pas sur le toit visiblement. Allez à la bibliothèque. C'est quoi, c'est un spot ça? Ah putain. C'est pas du tout l'angoisse hein. Merde.
T'as le vertige, mais non, mais rien de moi ça, c'est absolument pas flippant. En plus, on n'a pas de courant. Ah si, ça s'allume, j'avais pas vu. Là, c'est allumé. Ok, ça s'allume. C'est léger, mais ça s'allume. Très bien. C'est quoi dessus? Non, c'est rien du tout. Mais oui, bah voilà. Parfait. There has to be someone in the library. I need to get inside that building. Ha ha! Coucou! Vous me voyez pas? En plus, il se tourne pour te suivre, quoi. Je vais pas allumer cette voiture, non. Ça fait pas très 68 cette voiture pour moi. Shit! What the hell is that thing? Qu'est-ce que putain de quoi? Combat contre un boss, j'ai même plus mon briquet quoi. Il a disparu. Parfait. Il est parti. Tout cela n'était que une blague. Ah non, il est toujours là. C'est ça sa mère là? Ça a l'air d'être une femme hein, vaguement. Bah ouais, je suis d'accord, ouais, si seulement tu pouvais l'atteindre. Saute un peu, bouge-toi le fion. Pousser la voiture, non? Ouais, faut que je reste dans la lumière et aller à la lumière, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Elle est partie où? Il est là, ok. C'est pas du tout le stress, hein. Je vais aller voir s'il n'y a pas des trucs pour faire tomber cet escalier planqué dans l'abribus. Apparemment non. Ouais, mais l'escalier de secours il est là en fait. J'ai déjà pu y aller. Il est où? Putain, elle est où? Ah putain, elle est derrière moi. J'ai déjà pu y aller, mais sauf que quand j'y vais, en fait, j'ai un petit œil et il est verrouillé en haut. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Après, il y a peut-être un truc à la con, genre. Si elle me voit, elle charge, et si j'arrive à la faire charger dessus, ça va la... Tu vois, il est juste là, l'escalier de secours, et c'est juste que l'échelle, elle est pas descendue, en fait. Oula. Ah, je peux pas sauter ou quoi que ce soit, quoi, donc forcément, c'est un peu plus tendu. Et puis avec les autres derrière tout le temps là. C'est pas du tout l'oppression. Alors si on regarde un peu par là, est-ce qu'il y a des trucs? Bon là il y a vraiment les saloperies là. Putain, dès qu'on la quitte des yeux deux secondes, elle disparaît quoi. Ça je peux pas monter dessus. Il y a une flèche là qui fait penser que peut-être. Ah, il y a un truc en dessous, putain. Une canne.
ultra discret. C'était facile. Hein? J'ai même pas eu peur. Monter encore. Ouais, ça m'a l'air d'être une idée de merde de monter encore. Haha! Trop facile! Y'a des bougies qui sont même pas éteintes. Bon bah j'ai complètement oublié de couper la rediffusion, donc je vais couper la rediffusion là. Vous pouvez dire au revoir la VOD, en pleine pression. Au revoir la VOD!